Il y a quoi dedans? Ouais, vise un peu la casquette. Elle est bizarre. Oula, elle est vachement petite. C'est quoi, une casquette de facteur? Non, mon gamin, ça c'est le képi de ton arrière-arrière-grand-père, quand il était soldat en 1914. Bah mince, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça je connais pas vraiment le détail. On parlait pas souvent. D'ailleurs, il parlait peu, il ne riait presque jamais, il avait un regard éteint. Mon grand-mère disait que c'était à cause de la guerre, que tout avait changé. Tout ce que c'est que la vie a basculé un jour d'été. Il était au champ, c'était la moisson d'une chaleur accablante. C'était 3 août 1914, il y a 100 ans. Le Tocsin, le Tocsin, le Tocsin, il y a le feu dans le pays. Mais que se passe-t-il, La Louis? guerre, la guerre. La guerre? Mais quelle guerre? Quel malheur, quel grand malheur! Il faut que je parte tout de suite! Monsieur le maire, monsieur le maire! S'il vous plaît, écoutez-moi! Mon Dieu, où est mon fascicule? Les Allemands qui attaquent! Ça devait finir comme ça. C'est pas de son pays, c'est normal! C'est quand même pas la mer à boire! Messieurs, l'heure est grave. Il faut garder notre sang-froid. Ceux qui doivent partir doivent le faire immédiatement. Mais comment le maire va faire pour finir les moissons? Surtout si on part avec les mines. Surtout que le père n'est plus. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Suivez les consignes qui sont inscrites sur l'ordre de mobilisation générale affiché derrière moi. Vous avez 2 jours pour rejoindre la caserne de Sedan. Je vous bénis, mon père. Ça fait déjà un bon bout de temps que je suis déjà là. Mais dis-moi, où dois-je aller maintenant? C'est pas compliqué. Tu remontes l'escalier derrière moi, tu vas apercevoir le sous-lieutenant police. Faut pas rire avec moi. Monsieur, veuillez me donner vos ordres de mission. Parfait. Vous allez au pactage. À mon commandement, en avant, marche, gauche, gauche, gauche.